Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette petite lampe torche qui a la particularité d'émettre une lumière violette qui va faire ressortir certaines couleurs. Alors généralement ça va être plutôt des couleurs type blanc ou rose qui vont avoir un ton beaucoup plus flashy. Alors elle est vraiment très courte. Si on mesure sa longueur, on se rend compte que c'est une lampe qui fait 9 cm de long. Après, au niveau du revêtement, on est sur du métal. Et la lampe, elle est vendue dans ce petit emballage avec un papier bulle et une petite boîte cartonnée. Il n'y a pas de notice à l'intérieur. On peut la démonter à l'embase. On peut la démonter au niveau de la tête également. Et à l'intérieur, on peut sortir donc le système donc de charge. Donc il y a un emplacement pour 3 piles AAA. On peut mettre soit des piles non rechargeables, soit des piles rechargeables. Moi en l'occurrence, comme j'avais un mix des deux, j'ai mis une non rechargeable et deux rechargeables. Voilà. Alors je vais remonter la lampe et puis je vais juste essayer de vous montrer ce que ça peut donner en éteignant la lumière. Toutefois, je ne suis pas certain du résultat par rapport à la caméra. Je l'ai mise à l'envers. Donc la lampe, une fois remontée, quand on appuie sur le switch à l'arrière, là vous la voyez en marche et on se rend compte qu'il y a plein de petites LED qui s'illuminent et qui vont permettre donc d'éclairer l'objet que l'on veut inspecter. Donc en tout, il y a 21 LED. Moi, je trouve que elles ont une portée assez courte. J'aurais bien aimé qu'elles soient un petit peu plus puissantes. Voilà. Et si on la laisse, si on la laisse en marche 2-3 minutes, on se rend compte que la lampe, elle peut avoir tendance à chauffer. Ce qui est normal, hein. Donc il faut éviter de la laisser allumer trop longtemps si on ne veut pas avoir une surconsommation de piles. Donc tout de suite, une petite comparaison avec un pot de Montblanc et des étiquettes de marquage. Je vais faire l'obscurité dans la pièce et juste vous allez pouvoir constater ce qu'on obtient. Alors, encore une fois, je garantis pas le résultat. Mais ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on obtient avec cet éclairage. Donc là, je fais l'obscurité et j'allume la lampe. Voilà, et en fait, on se rend compte que le blanc ressort beaucoup plus que d'autres éléments. Alors là, par exemple, on a la couleur jaune qui est mise en avant. On a le blanc qui ressort de manière très flashy. Et au niveau du pot de dessert, on a les écritures Montblanc qui ressortent vraiment beaucoup. Voilà. Tout ce qui est sur fond noir, marron, ne ressort pas. Voilà. Et je ne sais pas si vous voyez également le dessus du pot. On a le tour du dessus du pot qui forme une sorte d'auréole blanche, et alors que l'intérieur est en métal. Je vais rallumer. Et quand on regarde là avec la lumière le tour du pot, ben on se rend compte qu'il n'y a rien de particulier. Voilà, donc une petite démonstration très rapide de cette lampe torche. Donc ça peut être pas mal pour inspecter certains recoins de la maison, éventuellement trouver des taches. Vérifier si des surfaces ont été mal peintes, inspecter des fuites au niveau des tuyauteries, etc. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.